vous avez la graine du kwashi. C'est ça qu'on utilise pour faire les tisanes. Le kwashi, c'est une plante millénaire connue des peuples autochtones d'Amazonie, et spécialement en Guyane française. Les communautés ont travaillé avec les chercheurs du IRD, mais sans qu'il y ait un consentement préalable et éclairé. Et tout processus doit se faire en consentement avec les autochtones. La biodiversité absolument appartient à tout le monde. Les recherches, au début, si vous voulez, tout ça part de choses connues qui sont par ailleurs déjà dans un livre qui s'appelle « La pharmacopée des Guyanes ». Donc de ce point de vue-là, on peut dire que globalement, on avait connaissance des connaissances des peuples autochtones, bien sûr. En Guyane, vous savez comment on fait partie de la France. C'est un peuple qui a été toujours dénié de ses droits, oublié, les oubliés de la République. Nous revendiquons la reconnaissance de nos droits dans le contexte national. À ce jour, aucune norme juridique n'a évolué dans ce sens.